Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à ce webinaire du Réseau 1 Québec. Je vois qu'on est plusieurs là en ligne aujourd'hui, donc prenez un petit moment, écrivez-moi là dans la boîte de chat qui vous êtes, quel est votre rôle, de quelle région du Québec vous êtes aujourd'hui. On va juste donner quelques secondes là, pour que tout le monde puisse se joindre à nous. On est bien content aujourd'hui d'avoir un webinaire donc sur le projet Claret et vraiment qui est en lien avec le point de vue des citoyens sur l'utilisation des données. Donc, on a avec nous aujourd'hui Roxane Do, Annabelle Humaine et Louis-Denis Pelletier. Donc, Roxane et Annabelle, donc, travaillent sur ce projet-là. Donc, Annabelle qui est médecin spécialiste et qui travaille en éthique là, à l'Université de Sherbrooke, et Roxane qui travaille sur le projet Claret et qui se spécialise entre autres sur le consentement et la recherche axée sur le patient. Et Monsieur Louis-Denis Pelletier qui est patient partenaire avec eux. Donc, ils sont avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce beau projet-là. On est vraiment très contents de les avoir avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Juste pour vous rappeler pour les participants comment ça va fonctionner. Donc, la plateforme de webinaire vous permet de nous poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, vous pouvez les écrire dans le chat. Vous avez aussi dans votre panneau webinaire, dans les documents à distribuer, vous avez le PDF. Donc, il y a beaucoup d'informations, comme vous allez voir dans les diapos. Ce n'est pas tout qui va être présenté par l'équipe aujourd'hui, mais vous pouvez le télécharger et regarder là, si vous avez des questions sur certains aspects. Vous allez pouvoir les poser dans la période de discussion. Pour la période de discussion, comme je vous ai dit, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte de chat ou à la fin, vous allez pouvoir lever la main. Là, il y a un petit icône pour que vous puissiez lever la main. À ce moment-là, on ouvrira le micro. Et ça va être Monsieur Pelletier là, qui va nous lancer la période de discussion. Donc, il va réagir à ce qui s'est dit dans la présentation et poser une première question. Mais pensez aux questions là, que vous voudriez poser aux présentatrices tout au fil du webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais vous passer la parole, Roxane et Annabelle. Et Monsieur Pelletier, on vous revoit à la fin du webinaire là, pour obtenir vos réactions et vos commentaires. Parfait. Merci. Alors, je vais prendre contrôle de la présentation. J'ai besoin, Mélaniane, que vous me l'envoyiez, la petite... Est-ce que vous le voyez maintenant? J'attends votre confirmation, Mélaniane, pour me dire que c'est bien visible. Non, on ne le voit pas. Alors, je pense que je n'ai pas encore eu la petite boîte pour me dire de cliquer sur... Partager, ah, voilà, montrer mon écran. C'est fait, je l'ai. Excellent. À présent. C'est parti. Ça vous va? Merci beaucoup. Alors, un merci tout spécial à Mélanie Anne et puis Isande pour l'organisation de ce webinaire et à professeur Couturier que j'ai la chance de connaître pour cette invitation. Nous avons aussi des partenaires importants que j'aimerais nommer, tant dans l'équipe, le docteur Barton et professeur Etier qui nous aide beaucoup comme chercheurs collaborateurs, puis des patients partenaires qui nous ont aidés, l'unité de soutien de la recherche axée sur le patient qui nous a donné un financement sans lequel nous n'aurions pas pu mener ce projet à bien. Je suis, comme vous l'avez entendu, présidente du comité éthique de la recherche du SUS de l'Estrichu et j'ai de l'aide de l'université pour la gestion de ce conflit de rôle lorsqu'il est présent. Roxane, qui est avec moi, n'a aucun conflit d'intérêt à vous déclarer. Et voilà, je voulais rendre honneur à toutes les personnes du comité consultatif et de l'unité qui nous ont aidés. Et aussi, vous allez voir des partenaires qui nous ont aidés au niveau de la littératie, qui était un angle important de notre projet. Alors, sans plus tarder, je vous présente le GRIS, qui est un groupe de recherche qui a le mandat de déployer une plateforme apprenante qui s'appelle PARS3, qui va permettre d'accéder aux données de santé pour une utilisation qui se souhaite sécuritaire, éthique et transparente. Et ce déploiement a amené une question importante au niveau du consentement. Et c'est vraiment ça l'objectif du projet Claret, dont on va parler aujourd'hui. Donc, rapidement, pour bien vous situer, je vais vous décrire du mieux que je peux
Qu'est-ce que c'est un système de santé apprenant? Je vais vous résumer la situation actuelle par rapport au consentement, puis vous parler du projet CARE en vraiment prenant plus de temps pour les groupes de discussion. Je pense que c'est ça qui est le plus important pour aujourd'hui, mais vous aurez aussi accès aux autres parties du projet. Donc, le système de santé apprenant, c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau. C'est on peut le décrire, on le caractérise par l'utilisation rapide, efficiente des données qui viennent de la recherche, qui viennent de la clinique, ça peut aussi venir d'objets connectés pour informer le clinicien en temps rapide, d'avoir toutes les données nécessaires pour prendre des décisions, mais aussi pour améliorer les connaissances en recherche. Donc, c'est une espèce de décloisonnement entre la clinique et la recherche, vraiment au bénéfice du patient pour que chaque patient reçoive le bon soin au bon moment et en temps opportun. Donc, c'est vraiment ça la visée, parce qu'on sait que les médecins et les chercheurs, on sait déjà que beaucoup des connaissances qui sont générées maintenant, il y a un décalage au moment du transfert de connaissances qui fait qu'on met en pratique les nouvelles connaissances avec un délai qu'on juge de plus en plus inacceptable avec les moyens technologiques que nous avons maintenant. Actuellement, au Québec, on a des données, elles sont distribuées dans différents systèmes. Lorsqu'on veut accéder à des données qui sont dans les dossiers médicaux, ça se fait généralement avec l'autorisation de la direction des services professionnels lorsqu'on ne peut pas avoir le consentement du patient, de l'usager. Lorsque ce n'est pas dans l'établissement, c'est plutôt la Commission d'accès à l'information, la CAI, qui donne l'autorisation. Mais ces deux systèmes ne s'appliquent pas bien à un système de santé apprenant qui, comme je vous l'ai dit, peut rassembler des données qui sont beaucoup distribuées au-delà des dossiers médicaux et au-delà de la régie ou des médicaux. Donc, c'est vraiment, ça nous demande de nous réfléchir à nouveau. Et pour nous, on s'est dit, la meilleure façon de réfléchir à ça, c'est de se tourner vers le citoyen. Donc, quelle est la perspective du citoyen? C'était le réflexe qu'on avait eu. Alors, bien entendu, vous n'allez pas être étonné que comme présidente d'ACER, il y avait beaucoup de valeurs importantes qu'on voulait considérer et vous allez les retrouver rapidement de la part des citoyens. Ce sont les valeurs importantes pour le citoyen du Québec aussi. Alors, le projet Claret est un projet qui s'est déroulé depuis 2017. Il a commencé par une recension de la portée, il y avait un sondage, puis il y avait des groupes de discussion et c'est surtout les groupes de discussion qu'on va discuter aujourd'hui. Rapidement, la recension de portée que nous avons faite, c'était pour nous informer en date de 2017 qu'est-ce qui avait déjà été publié sur le consentement et les systèmes de santé apprenants. C'est un article qu'on fera plaisir de vous partager si ça vous intéresse, mais ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est grâce à cette recension, on est tombé sur un modèle qu'on a trouvé très intéressant qui vient du Danemark, qui s'appelle le métaconsentement et je vais vous le présenter brièvement. Donc, ce modèle-là, il nous donne une façon de remplacer un consentement qui est projet par projet, qui est vraiment la façon traditionnelle d'obtenir un consentement pour la recherche, par un consentement qui est plus pour des catégories de projets. Et ça permet, et c'est quelque chose qui est dynamique. Donc, plutôt que ce soit juste en une certaine journée que je donne un consentement pour un projet, je pourrais, au fil de ma vie, aller régulièrement ajuster mes préférences par rapport à l'utilisation de mes données pour la recherche. Et ce qui est vraiment important dans ce modèle, donc je vous ai donné l'aspect dynamique, mais il y a aussi le processus d'information. Pour maintenir la confiance de l'usager, on mise sur le fait qu'on va informer régulièrement de l'utilisation des données. Comme ça, la décision qu'on prendra de partager ou non les données, elle sera informée. Parce que c'est important aussi que le refus de partager soit aussi éclairé. Donc, si je sais à quoi ont servi mes données ou à quoi auraient pu servir mes données, je peux prendre des décisions qui sont plus éclairées et on respecte l'autonomie tout en soutenant la recherche avec ce modèle-là. Donc, si j'avais à vous donner une analogie, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu complexe à expliquer, je vous dirais que c'est un système à plusieurs feux. Donc, si je décide pour une certaine utilisation que je mets un feu rouge, mes données ne sont pas utiliser. Si je mets un feu orange, ça veut dire qu'on me demande, on dit on aimerait utiliser vos données pour tel projet avec certaines caractéristiques. Et puis si je ne donne pas ma permission de façon explicite, elles ne seront pas utilisées.
Le feu jaune, c'est un peu une variante, c'est qu'on m'informe encore une fois, mais si je ne, à partir, après 2 mois, pour dire quelque chose, je n'indique pas une objection, mes données vont être utilisées pour cette catégorie de projet. Et le feu vert, vous aurez compris, c'est que j'accepte pour une certaine catégorie de projet que mes données soient utilisées. Ça, c'est le modèle qu'on voulait étudier au Québec. Donc, on s'est mis, après la recension des portées, en mode d'abord sondage pour nous informer par rapport au point de vue des citoyens. Rapidement, ce qu'on voulait, c'était avoir un peu une idée, c'est imparfait un sondage, mais on voulait avoir une idée du niveau d'intérêt des citoyens pour l'utilisation de leurs données pour la recherche, puis comment ils voyaient par sondage l'intérêt d'avoir un portail électronique qui leur informerait l'utilisation de leurs données. Donc, je vais vous présenter ça rapidement, puis vraiment c'était comme une première étape pour nous aider avec les groupes de discussion. Donc ça s'est fait en juin 2018 auprès de 387 citoyens qui sont bien représentatifs de la population du Québec, sauf pour les trois aspects que je vous ai nommés. Pas étonnamment, il y avait moins de personnes qui... au Québec, il y a plus de personnes qui parlent d'autres choses, d'autres langues que le français à la maison. Ils participent moins à des sondages, c'est logique. Et il y avait une petite différence au niveau de l'âge. Donc, les personnes de 65 ans et plus ont répondu plus souvent aux sondages que d'autres groupes. Ça reflète moins la population globale du Québec. Ce n'est pas très étonnant. Et on leur demandait un certain nombre d'énoncés et quelques questions de nature sociodémographique. Juste pour vous donner rapidement une idée, c'est quand même des gens qui n'avaient pas nécessairement participé à la recherche et qui fréquentaient pour eux ou pour d'autres le système de santé à 50 %. Donc, il y a quand même beaucoup de citoyens. Ce n'est pas juste des patients qui ont participé au sondage. Alors, juste pour que je vous demande de penser dans votre tête, à quoi vous attendez comme réponse. Selon vous, est-ce que les citoyens du Québec sont favorables à l'utilisation de leurs données en recherche? Je vous invite à y réfléchir. Je vais vous donner la réponse tout de suite selon ce sondage. Et puis, je vous demandais aussi, selon vous, qui est la valeur qui prime? Est-ce que c'est l'autonomie ou la recherche du bien commun? Tout de suite, je vais vous donner la réponse. Donc, je vous laisse réfléchir à ça 2 secondes. Et je vais vous dire, donc effectivement, au Québec comme ailleurs, je m'excuse, les valeurs n'ont pas apparu. Peut-être que dans votre version téléchargée, ça fonctionne mieux. Il est tout à fait acceptable pour 92 % ou acceptable d'utiliser les données de santé pour la recherche quand on parle d'améliorer les connaissances et les soins aux patients. Ça confirme ce qui est écrit ailleurs. Et les prochaines diapos, je ne vais pas vous les présenter en détail, mais je vais vous dire. La tendance n'est pas surprenante. Plus on est informé, plus on a l'occasion de donner notre consentement et moins les données sont identifiantes, plus le degré d'accord et plus c'est acceptable d'utiliser les données de santé ou du point de vue des citoyens. Donc, ça, c'est des choses qui ont déjà été publiées ailleurs. Vous les avez. Vous avez la chance de les regarder. Une chose que je voulais souligner, c'est qu'il n'était pas si acceptable du point de vue citoyen qu'un membre de la direction d'un hôpital, comme je vous ai dit que la situation actuelle, donne le consentement à la place des citoyens. Ce n'était pas acceptable pour tous les citoyens. Et le comité d'éthique était un peu plus acceptable, mais ça ne fait pas partie de nos rôles, donc ce n'est pas la situation actuelle. Et puis finalement, la valeur qui prime, c'est l'autonomie. Donc deux citoyens sur 3 mettaient cette valeur-là avant la recherche de connaissances pour le bien commun. Donc, je ne sais pas si c'est ça que vous aviez pensé, mais voilà la situation actuelle. On a refait ce sondage avec des chercheurs et des comités d'éthique et c'est sensiblement le même portrait, sauf pour celui-ci où c'est à peu près moitié-moitié. Je me tourne vers Roxane qui a analysé récemment. Donc, quand même des réponses assez semblables. Alors oui, donc je donne la réponse. Oui, donc les chercheurs et les membres de comité ont sensiblement le même point de vue, sauf qu'ils sont moins, c'est moitié-moitié par rapport à l'autonomie et la recherche de bien commun. Alors je vous amène donc de ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'était les groupes de discussion. Donc pour nous, l'objectif qu'on voulait, c'était vraiment aller à la rencontre de citoyens pour approfondir ce qu'on avait entendu dans les sondages. Donc, encore une fois,
mesurer leur accord avec l'utilisation des données de santé pour la recherche, mais principalement comment ils voyaient leur participation, à quel point ils veulent être informés, comment est-ce qu'ils accueillent l'idée d'un portail consentement, donc un outil en ligne qui leur permettrait de faire les choix dont je vous ai parlé tantôt, de décider par rapport à des caractéristiques de projet, donc pas un projet à la fois, mais des familles de projets, je vais vous expliquer ça, comment ils pourraient consentir et donner l'autorisation d'avoir cette utilisation de leurs données, quels sont les freins, quelles sont les pistes de solutions. Donc, on s'est promené, vous allez voir, mais d'abord, on a consulté, on a eu de l'aide vraiment très utile de deux groupes de non lucratif, là, d'aide à l'alphabétisation, pour que je ralentisse, et on a vraiment d'aide des patients partenaires aussi pour décider comment on allait obtenir ces résultats. Donc, on avait des beaux objectifs, mais concrètement, avec quels outils on allait rencontrer les citoyens et leur faire participer. Et ça a été vraiment une démarche très, très utile parce que ça nous a permis de vraiment rencontrer des citoyens à travers le Québec et de diviser nos groupes en des groupes avec des citoyens avec moins de scolarisation. Donc, on avait la moitié de nos groupes, les citoyens n'avaient pas de diplôme de niveau secondaire et l'autre moitié, ils avaient secondaire ou plus haut. Et ça, c'était vraiment grâce à l'aide de nos partenaires que je remercie. Donc, l'équipe Roxane, ils ont eu la chance de se promener en région, 6 groupes francophones et 2 groupes anglophones. Comment on pouvait parler de ce sujet-là? Ben, il fallait d'abord s'assurer qu'on avait tous un peu la même compréhension de qu'est-ce que c'était une donnée de recherche, qu'est-ce que c'était le métaconsentement, qu'est-ce que c'était la recherche même. Alors, on a créé 2 capsules vidéo qui expliquaient vraiment ces concepts-là et qui ont été vraiment très appréciés par les participants. On a créé des outils, donc il y avait soutien PowerPoint, mais aussi des exercices qui permettaient de vraiment se pratiquer puis de comprendre le métaconsentement. Et donc, c'était vraiment grâce à ces outils que je vous présente ici, puis avec des cartons résumés, qu'on arrivait à s'assurer qu'on parlait à peu près tous de la même chose. Donc, les caractéristiques des projets qu'on voulait étudier avec eux sont ceux que vous voyez dans le tableau de gauche, donc avec ou sans identifiant, avec ou sans données génétiques, donc des projets académiques ou avec des visées commerciales, donc un projet avec un partenaire de l'industrie. Et puis, on voulait voir aussi l'impact d'avoir une utilisation qui se limitait au Canada ou qui était avec un partage à l'international. Donc, ils avaient des cartons résumés qui nous aidaient à vraiment assimiler ces concepts. Puis les 4 feux que je vous ai présentés plus tôt étaient remplacés par des autocollants « j'accepte, je refuse » ou bien les 2 variantes du milieu. Et ils avaient donc des exercices où ils apposaient des collants selon des différentes familles de projets. Donc, par exemple, en bas à droite, on voit là une famille avec des caractéristiques qui sont énoncées, puis le participant mettait son collant. Je me tourne vers Roxane pour voir si elle avait des précisions. Moi, je n'y étais pas, évidemment. Roxane, est-ce que c'est des précisions que tu aimerais? Ça marchait bien, les outils? Ça marchait super bien. Puis les gens ont vraiment bien compris le concept de métaconsentement avec les exercices. On a testé environ 20 de scénarios différents pour. Ça nous a permis d'aller chercher aussi leur opinion, ce qui était bien accepté, ce qui l'était moins, puis aussi par rapport aux paramètres de consentement. Alors, donc, on abordait plusieurs thèmes avec eux. Donc, comme je vous ai un peu nommé, par rapport au métaconsentement, c'était l'acceptabilité d'un portail électronique, les méthodes d'information et des réglages par défaut. C'est une chose que je dois vous expliquer. Pour que ça fonctionne pour les chercheurs, il faut, on ne s'attendrait pas demain du tout à ce que la majorité des citoyens aillent régler par eux-mêmes les paramètres pour leur utilisation. Donc, il faudrait, si on mettait de l'avant un modèle de métaconsentement, avoir des réglages par défaut. Donc, on voulait voir comment ce serait accepté. Puis aussi, actuellement au Québec, la recherche santé publique, il y a certains secteurs pour lesquels il est légalement indiqué de faire de la recherche. Et donc, on voulait aussi recueillir la perception par rapport à un concept qu'on appelle de dispense de consentement. Donc, est-ce qu'il y aurait des familles, des caractéristiques pour lesquelles les citoyens seraient à l'aise qu'il y ait une utilisation d'emblée et qui ne puisse pas modifier les paramètres. Donc, c'était vraiment ça qu'on voulait explorer.
Voici un tableau que vous pourrez regarder en détail qui vous donne une idée des caractéristiques des participants. Pas surprenant, ceux qui avec un peu moins de scolarisation avaient un peu moins d'accès aux médecins de famille, moins d'accès ou d'utilisation à l'Internet et moins de participation à un projet de recherche. Ben, c'est ça, en fait, c'est juste pour mentionner qu'on est vraiment allé sonder des citoyens et non des patients avec par exemple, des conditions chroniques ou quoi que ce soit. C'était vraiment, on accède au groupe sur des citoyens qui n'étaient pas familiers nécessairement avec la recherche. Et qui n'avaient pas tous nécessairement à la retraite. Là, vous voyez qu'on avait aussi des jeunes participants qui étaient une très bonne chose pour nous. Un premier résultat que je voulais vous montrer, une petite différence. En général, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il n'y a pas une grande différence quand on regarde les résultats selon la scolarisation, sauf ce résultat-ci que je voulais vous présenter d'emblée par rapport à l'acceptabilité d'utiliser les données pour un projet qui n'aurait pas d'identifiant direct, ce qui est généralement le cas. On met des codes, on ne met pas les noms, qui n'aurait pas de données génétiques, qui seraient faites en recherche académique au Canada. Donc, un profil vraiment rassurant de recherche. 100% des participants qui avaient une autre scolarité trouvaient que c'était absolument acceptable qu'on utilise les données de santé pour ce genre de projet. Alors, vous comprenez que les données de santé ne sont pas nécessairement toujours dans les dossiers médicaux. Ils voyaient ça plus large. Ça pouvait être aussi des données qui venaient de d'autres sources. Et c'était un peu moins acceptable pour les groupes à faible scolarité. C'est un des résultats pour lesquels on voit une différence entre nos deux groupes. Alors, je vais céder la parole à Roxane, parce que c'est vraiment Roxane qui a fait beaucoup le travail d'analyse et de rencontre. Je trouvais que c'était seulement juste que ce soit elle qui vous présente les résultats. Alors, on va changer de chaise. Donc, je vais prendre, je ne sais pas si je suis trop haute, je vais baisser un peu, le relais pour présenter les grands constats des groupes de discussion. Je vais essayer d'être succincte parce que j'ai tendance à m'éparpiller. Vous allez voir, je présente beaucoup de verbatim. Je vais essayer d'en lire quelques-uns, mais n'hésitez pas à les lire de votre côté. Puis, si jamais vous avez des questions, nous écrire, ça nous ferait plaisir de clarifier. Donc, en fait, je vais commencer par le premier terme que je vais passer un peu plus rapidement parce qu'on testait un peu l'avis des gens pour savoir par rapport à l'utilisation des données de santé en recherche, pour avoir leur point de vue. C'est juste pour mentionner que de manière générale, quand on parlait des données de santé des citoyens, plus at large, au niveau de la société, les participants étaient assez favorables. Donc, pour eux, c'est assez logique là, d'utiliser les données de santé pour améliorer les soins et tout. Comme dans les sondages. Comme dans les sondages, exactement. Mais, quand on allait plus du point de vue personnel, quand on parlait vraiment de leurs propres données de santé, là, la tendance était plus en faveur du libre choix. Donc, je veux qu'on me demande parce que c'est pas tout le monde qui aimerait qu'on utilise leur information. Donc, il y avait quand même une petite distinction entre les deux. On est allé aussi leur demander c'était quoi leurs conditions nécessaires, là, qu'est-ce qui était important pour eux pour qu'ils acceptent qu'on utilise leurs données de santé en recherche. Il y avait quatre grandes idées qui ressortaient. La première, c'était évidemment la confidentialité et l'anonymat des informations qu'ils partagent. Donc, pour eux, c'était vraiment important que ça soit de manière confidentielle. L'autre condition importante, c'était l'information. Donc, les gens voulaient vraiment être informés qu'on allait regarder leurs données de santé et justement, qu'est-ce qu'ils allaient regarder aussi dans leurs données. Le troisième point important, évidemment, c'était le consentement. Donc, les gens, justement, étaient d'accord à ce qu'on utilise leurs données. Mais comme je disais plus tôt, c'est pas tout le monde qui aimerait qu'on regarde leurs informations. Donc, les gens trouvaient que c'était important d'avoir qu'on ait le consentement des gens. Puis, la quatrième condition, c'est que ça soit vraiment restreint à l'utilisation, à la recherche médicale. Donc, il y a un participant qui nous a dit, si c'est vraiment les chercheurs qui ont accès à ces renseignements-là, ça, je suis d'accord avec ça. Juste interrompre une seconde, Roxane, juste pour vous dire, les FL et les HL, c'est faible ou haute littératie. En fait, c'est scolarisation, là, mais ce n'est pas, Hélène Lamontagne, là, c'est haute littératie ou faible littératie pour que vous ayez une idée. Oui, bon point.
Au niveau des peurs, des barrières et des enjeux, au niveau de l'utilisation des données en recherche, on avait quatre grandes peurs, si on veut. La première, c'est évidemment le souci de sécurité des données. Donc, les participants ont exprimé des peurs par rapport aux failles informatiques qui pourraient survenir. Et ça, c'était avant Desjardins. Oui, à noter qu'on a fait nos groupes avant le scandale Desjardins, donc ça doit être encore plus important comme préoccupation. Aussi l'accès aux données par un tiers non autorisé. Donc, les gens étaient très favorables à ce qu'on utilise leurs données en recherche, mais quand il était question du privé ou des compagnies privées, là, justement, on apportait le point que comme c'est monétaire, pour eux, c'était moins à l'aise avec ça. Aussi, la peur au niveau des données sensibles et l'incertitude à long terme. Donc, en ce moment, ça va, mais si plus tard, comment les gens pourraient utiliser mes données? Au niveau des deux éléments rassurants, ce qui ressortait beaucoup, c'est la transparence et aussi l'implication d'une institution reconnue. Donc, beaucoup nous ont nommé la RAMQ comme institution pour laquelle ils faisaient confiance, puis ça les rassurait que ce soit eux qui s'occupent de ça. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement, là, mais pour vous présenter rapidement le méta-consentement, comment, de manière générale, comment les gens, les participants le trouvaient. Nos participants trouvaient ça vraiment bien qu'il y ait un système à quatre paramètres de consentement et aussi la composante dynamique pour pouvoir justement modifier leurs paramètres de consentement. C'était quelque chose qui était bien apprécié parce que ça leur donnait l'impression justement que ça respectait leur libre choix. Puis les autocollants, donc jaune et orange, donc ça leur donnait aussi le sentiment de pouvoir faire des choix vraiment projet par projet et d'être correctement informé à chaque projet. Donc c'était deux choix de consentement qui étaient bien appréciés là, au niveau de nos participants. Si je rentre plus en détail, là, on est allé voir un peu l'acceptabilité ou en tout cas l'intérêt d'avoir un portail électronique de consentement qui suivait le modèle de méta-consentement. Au niveau de l'intérêt général des participants, on voyait que c'était assez… La majorité des participants étaient favorables à la mise en place d'un portail comme ça. Pour eux, ils trouvaient que c'était une bonne idée, puis il y a une des participantes qui disait « Absolutely for me, it's a must ». Puis pour elle, c'était vraiment important de pouvoir accéder à un outil comme ça pour avoir le contrôle en tout cas, de ces données. Alors que d'autres participants qui n'étaient pas contre l'idée, mais qui était plus indifférent à l'utiliser. Donc, il y a un participant qui nous disait « Honnêtement, moi, je m'en fous, je n'irai pas du tout. J'ai bien autre chose à faire qu'ils les prennent, les données, et fassent ce qu'ils veulent avec. » Donc, l'utilisation de l'outil était peut-être pour eux moins nécessaire, exact. Donc, vous voyez ici, il y a beaucoup de barrières, les enjeux et les peurs qui ont été soulevées au niveau de la mise en place d'un portail de consentement. Je ne vais pas nécessairement les nommer une par une, mais je vais vous dire, je vais vous en nommer deux, trois là ici. Une des barrières importantes, en fait, qui a été soulevée, c'est la difficulté associée vraiment à l'outil informatique comme méthode là, pour donner son consentement. Un participant nous a dit « Moi, je ne suis pas très fort là-dessus sur l'ordinateur. Si tu m'envoies un message, bien souvent, je ne les prends pas. Donc, de quelle façon on peut communiquer à part les ordinateurs? » Donc, c'est un enjeu qui était important, qui a été soulevé. Aussi, au niveau, il y avait un enjeu au niveau du manque d'engagement. Donc, il y a quelqu'un qui nous a dit « Quand on essaie de payer une facture d'hydro, là, on n'a pas le choix. Il faut aller jusqu'au bout. » Mais là, dans ce cas-ci, quand il parlait du portail, je vais arriver à la fin du mois quand même, et il n'y a personne qui va m'achaler si je ne l'ai pas fait. Donc, il y a peut-être un manque d'incitation à vouloir utiliser le portail. Puis aussi, on a noté au niveau des enjeux un manque de confiance. Donc, quelqu'un nous a dit « Moi, je n'ai pas bien, tellement confiance. Ils ont beau dire que c'est sécurisé. On entend tellement de choses qui se passent dans les compagnies, etc. » Donc, non. Donc, ça nous montre aussi qu'on, malgré les efforts qu'on avait faits, ils n'avaient pas nécessairement compris que le portail de consentement, ça n'amenait pas un enjeu de sécurité de plus parce qu'en fait, c'est juste un endroit où on met nos réglages. On n'est pas dans les données, là, les données sont encore là, sécurisées dans les dossiers, etc. Donc, c'est un participant de faible littératie. On voyait qu'on n'avait pas toujours un même degré de compréhension exactement de où est-ce qu'était l'enjeu de sécurité pour les protections des privés, etc. Mm-hmm.
Exactement. Au niveau des conditions et des facteurs qui facilitaient justement l'acceptabilité de la mise en place d'un portail comme ça, un point important qui ressortait, c'est vraiment l'assistance des professionnels de la santé. Donc, les gens voyaient soit leur médecin ou d'autres professionnels comme un appui, un outil, si on veut, important là, pour les aider à naviguer à travers ce genre de portail-là, puis leur expliquer comment ça fonctionne. Donc, un participant nous dit, je vois mon médecin et je lui demande c'est quoi les critères de telle affaire. Si je lui en parle, je vais être plus satisfait. Je pourrais poser mes questions. Il va me dire aussi d'une autre façon comment je pourrais comprendre plus. Aussi, y a des participants qui parlaient d'établir la confiance. Donc, il faut laisser le temps au programme, en parlant de la mise en place du portail, de faire ses preuves. Là, tout le monde est frileux. On ne sait pas trop c'est quoi. Mais quand le système va être bien implanté, sécurisé, c'est comme le don d'organes. T'sais, au départ, le don d'organes, c'était assez bon. Donc, ils nous ont vraiment suggéré d'aller en étapes. C'était des conseils qu'ils avaient. Pour mettre en confiance les gens pour l'utilisation de cet outil-là. Les deux éléments rassurants qui ressortaient pour l'utilisation du portail, c'était bien sûr, c'était pour eux, c'était une façon de contrôler et de pouvoir faire le suivi de leurs données. Donc, justement, les participants, une participante nous disait « For me, it's a must because it's kind of a control thing. Donc, I will be able to see who's using it and why. » Puis aussi, au niveau, encore une fois, de l'arrimage institutionnel, disons avec la RAMQ, les gens voyaient ça vraiment comme un facteur facilitant. Parce que c'est déjà des sites qui sont utilisés, disons, par eux. Il n'y aurait pas besoin de se connecter, disons, à un autre site. Un autre mot de passe. Exact, un autre mot de passe. Donc, pour eux, ils voyaient ça difficile. Puis aussi, c'est rassurant parce que c'est une institution qu'ils connaissent bien. Rapidement, je vais passer ici, mais on a demandé aux participants de quelle façon ils aimeraient être informés et se faire expliquer le portail consentement. Les quatre grands points là, qui sortaient, évidemment, c'est par un médecin ou un professionnel de la santé. Aussi, encore une fois, la RAMQ est revenue comme une méthode universelle de communication parce que tout le monde a une carte d'assurance maladie, donc ils se sont dit, mais pourquoi pas passer par ça pour informer les gens, puis justement peut-être se faire expliquer par un professionnel par la suite. Des capsules vidéo, des brochures étaient aussi ressorties beaucoup par les participants parce que des gens qui veulent s'informer de manière autonome, s'informer slash le faire expliquer vraiment, disons une capsule, il y a quelqu'un qui disait ben, peut-être une session justement vidéo où c'est un médecin qui nous explique comment ça fonctionne et tout. Et la combinaison de plusieurs méthodes, surtout au niveau de l'information, était ressortie beaucoup là, parce que les gens disaient ben, il faut passer par différents canaux pour rejoindre le plus de gens possible, sinon ça ne fonctionnera pas. Si je rentre maintenant dans les choix par défaut, donc on est vraiment allé tester si on veut, sonder l'acceptabilité des gens par rapport au fait d'avoir des choix par défaut qui sont verts, donc qui sont le partage par défaut. De manière générale, les choix par défaut étaient quand même très bien acceptés versus moins, là. Mais de manière générale, les gens disaient oui, ça serait une bonne chose, ça favoriserait l'utilisation des données en recherche. C'est aussi la responsabilité des citoyens de s'exprimer s'ils refusent le partage. Donc, pour eux, le partage des données par défaut, c'était acceptable parce que ça devrait être un devoir citoyen d'aller manifester son refus. Puis justement, on a eu des suggestions en spontané d'avoir un système de opt-out par défaut. Donc, par défaut, ça devrait être le partage. Et si les gens, justement, ne sont pas intéressés, bien, c'est aller de se désinscrire. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensaient comme ça dans nos groupes. Puis, il y a aussi quelques participants qui ramenaient l'esprit le concept de libre choix. Donc, vu que ce n'est pas eux qui ont donné une autorisation explicite, pour eux, ça allait un peu à l'encontre de cette valeur-là. Puis aussi, certains ont soulevé que c'est discriminatoire pour certaines populations dans les capacités de modifier leur choix. Par exemple, un participant qui nous disait « Moi, je pense que tout est une base de consentement. D'imposer le oui à des gens, si tu n'as pas accès pour le changer ou quoi que ce soit, bien là, tu te ramasses dedans, mais sans vraiment l'avoir voulu. » C'est quelqu'un qui vient d'un groupe de faible littératie. C'est quand même intéressant comme propos.
Au niveau des conditions nécessaires, les deux grandes conditions qui ressortaient, on voit que les concepts reviennent quand même, c'est la transparence et la confiance. Et aussi le caractère dynamique. Donc, je pense que c'était bien apprécié que les choix par défaut, justement, oui, ils sont là par défaut, mais les gens peuvent aller les modifier selon leurs préférences. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment valorisé. Donc, I think if it can be modified, I'm kind of comfortable with that. Donc, voilà. Pour ce qui est des facteurs facilitant l'acceptabilité, on en avait trois particulièrement. Donc, c'est le fait d'avoir des alternatives simples pour modifier ses choix. Donc, les gens, justement, disaient, ben, moi, ça serait acceptable que ça soit des choix par défaut qui sont le vert, mais il faudrait qu'il y ait des méthodes autres que la plateforme informatique pour pouvoir modifier nos choix. Aussi, quelqu'un nous a amené le concept d'avoir une période tampon avant l'activation des choix. Donc, de dire, par exemple, de prendre une période, disons, d'un an pour vraiment informer les citoyens que la plateforme existe et tout avant que les données soient, disons, partagées par défaut. Comme ça, ça laisse le temps aux gens d'aller familiariser avec la plateforme et mettre leur préférence de consentement. Et aussi, ce qui était quand même acceptable, c'est notre scénario de recherche A. Donc, la famille A que Annabelle vous a présenté plus tôt, c'était quand même, pour les gens, c'était acceptable qu'il y ait un feu vert pour cette famille-là par défaut, parce que c'était justement des données anonymes, donc confidentielles pour des organisations publiques au Canada. C'était bien accepté par les participants en général. On leur a demandé aussi leur opinion de qui, selon eux, devrait décider des choix par défaut qui vont être les réglages dans la plateforme. On a nommé les citoyens, donc ça devrait être les citoyens qui décident via des sondages, par exemple, des groupes de discussion. Alors que aussi le comité d'éthique est ressorti quand même très fort dans plusieurs groupes. Donc, on voit que c'était unanime dans plusieurs groupes et c'était souvent une proposition qui était spontanée de plusieurs participants. Donc, pour eux, en fait, comme le comité d'éthique impliquait à la fois des citoyens et des professionnels de la santé, c'était comme pour eux le meilleur combo là, pour pouvoir prendre des décisions éclairées à ce niveau-là. Donc là, je rentre dans la dernière thématique là, qu'on a sondée avec nos participants, qui est la dispense de consentement, donc le fait de d'imposer, ouais. C'est ça, le partage de données de santé pour la recherche pour certaines familles. Certaines utilisations, oui. Exact, de projets. On voit que l'acceptabilité était, certains participants étaient favorables, donc pour un souci d'altruisme, mais aussi ça dépendait, ils trouvaient ça acceptable dépendamment des types de données ou du projet de recherche. Donc justement, moi je suis pour, si ça peut aider à guérir la population. Un autre participant qui me disait, moi je suis d'accord et en même temps, il faudrait que je sache c'est quoi, donc certaines choses que je serais d'accord et d'autres moins, ce qui est assez logique. Puis, ben là, il y a des participants qui étaient très, très, très en faveur de l'autonomie et du libre choix. Pour eux, la dispense de consentement, ça brimait vraiment leur libre choix. Donc, est-ce qu'on a encore le contrôle sur qui on est médicalement? Moi, je veux que les gens aient le droit de dire non. Je veux avoir le choix et je veux que tous mes concitoyens aient le choix aussi. Donc ça, c'est vraiment au début quand on a vraiment testé l'idée de manière générale. Puis après ça, on est allé vraiment imposer, si on veut, des contextes aux participants où la dispense de consentement pour eux, est-ce que ça serait acceptable ou non? Puis on voit que l'opinion des gens changeait. Au départ, juste quand on donnait l'idée, en général, il y avait plus de réticence, mais quand on les apportait vraiment dans des contextes spécifiques, là, l'opinion changeait puis devenait un peu plus acceptable. Les contextes qui étaient vraiment bien acceptés, c'est l'urgence, dans le cas d'urgence sanitaire, santé publique, c'est ce qui est fait en ce moment aussi, je crois. Donc, ça, c'était vraiment bien accepté par les participants, puis ils voyaient vraiment la pertinence d'avoir une obligation, si on veut, à ce niveau-là. On leur a aussi demandé en contexte de conditions de santé rares. Donc, est-ce que les gens qui ont des maladies rares devraient avoir l'obligation de partager leurs données pour justement… C'est un enjeu pour la validité scientifique, par exemple. Mmh. Donc, si un chercheur veut faire une recherche sur une maladie rare, puis il y a trop de personnes qui se sont montrées non favorables, ben, les conclusions sont moins valides. Donc, on voulait explorer cette avenue-là.
Exact. Puis, de manière générale, c'est assez mitigé. Là. Certains étaient d'accord que oui, alors que d'autres ont dit, bien, vous n'avez pas besoin d'imposer une obligation. Souvent, ces gens-là, ils vont vouloir sans problème. On a aussi ramené le contexte de la famille A, donc les caractéristiques de la famille A, qui était selon nous le scénario le plus acceptable. Puis, il y avait pour des groupes pour qui... Oui, il devrait y avoir une obligation pour cette famille-là. Même pas besoin de poser la question, c'est disponible pour les chercheurs. C'était unanime dans plusieurs groupes. Alors que dans d'autres groupes, on avait vraiment un blocage quand on parlait d'obligation. Je suggérais même de ne pas utiliser le mot. Oui, le mot... Si vous le faites, parlez pas d'obligation. Parce que pour eux, ça les bloquait vraiment. C'est le mot, Donc, principale crainte au niveau de la dispense de consentement, c'était vraiment le sentiment de perdre le contrôle sur ces données et aussi la peur de la mauvaise utilisation. Donc, ça fait vraiment Big Brother. Oui, pourquoi pas, allez-y, prenez mes informations, servez-vous. Donc, des participants qui se sentaient comme ça. Ce qui rassurait beaucoup les gens au niveau de la dispense de consentement, c'était évidemment la transparence, on l'a vu dans les différents thèmes. Donc, qui utilise mes données, qu'est-ce qui est utilisé et pourquoi? L'implication des comités d'éthique aussi dans le processus décisionnel, c'était un élément qui était rassurant. Et la garantie de confidentialité. Donc, les gens voulaient vraiment, je veux qu'on me garantisse l'anonymat de mes données et je veux aussi avoir une preuve et un contrat avec de protection. Donc, je suis allée peut-être un peu rapidement, mais si jamais vous avez des questions, c'est ça... Pour les résultats, n'hésitez pas à la nous. Je voulais revenir en arrière aussi, c'est juste qu'on voulait absolument laisser un bon 20 minutes pour les questions. Exact. Donc, à vous la parole. On vous. Là, on va vous redonner la contrôle à Mélanie Anne ou pas? Oui, donc. Merci beaucoup pour votre présentation. J'inviterai M. Pelletier à réagir en fait en premier à votre présentation, à voir s'il a des questions, des commentaires comme ça. M. Pelletier, donc votre micro est ouvert, je crois qu'on peut vous entendre. Ah, oups, je vais enlever votre... OK. Écoutez, d'abord, la présentation reflète d'une façon fidèle les éléments de discussion auxquels j'ai participé. Très bonne qualité d'une part. C'est clair, comme position personnelle qui touche là-dessus, c'est évident que cet outil d'information, de sollicitation de consentement, peu importe comment il sera affiné au bout de la ligne, dans la mesure qu'il respecte, qu'il soit utile, que les gens ont un sentiment de confiance, que les gens ont le sentiment d'être responsables, de se prendre en charge également. Et les gens auront l'impression qu'il y aura un retour d'information suite à ces recherches-là. Et également, est-ce qu'on aura aussi de l'information sur les mises à jour de pratiques? À mon avis, ce qui va augmenter d'une façon significative la prise en charge par le patient lui-même, surtout s'il est plus atteint des mises à jour des recherches. Les questions qui me touchent là-dessus, parce que je pourrais en parler longtemps, mais comment allez-vous procéder? Est-ce que vous avez songé à ça, procéder pour mettre au courant les citoyens ou des groupes de citoyens ou des participants à ces recherches-là des informations concernant les résultats de recherche, les nouvelles applications qui vont en dépendre? Parce que dans plusieurs des organisations, la mise à jour, c'est un problème majeur. Oui. Merci pour la question. Effectivement, je pense que le retour de l'information est très important pour plusieurs raisons. Je vais essayer de ne pas en oublier une. Premièrement, c'est pour répondre à aux exigences normatives, éthiques. L'énoncé de politique des trois conseils, nomme clairement dans le chapitre 4 il est impératif au niveau éthique que les résultats de recherche reviennent vers la population. Il faut voir sous quelle forme, mais c'est vraiment une position assez ferme à ce sujet-là que j'endosse entièrement. Et ça, c'est
très important parce que ça alimente la confiance et c'est aussi une valeur pédagogique. Donc, je pense que dans le processus, vous l'avez nommé, puis dans le processus, les citoyens l'ont nommé aussi. Il y a quelque chose de pédagogique. Il y a une occasion aussi de bien informer les gens sur la recherche pour aussi que pour leur propre décision, mais aussi pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe en ce moment en recherche. Donc, je pense qu'il y a, ça va être un élément très important, le retour des résultats. Je voudrais juste ajouter quelque chose qui m'a étonnée, qu'on a entendu. C'est un point de vue minoritaire, mais je pense qu'il faut quand même que les citoyens puissent décider à quelle fréquence et qu'est-ce qu'ils reçoivent comme information. Parce qu'il y a une citoyenne, un participant, qui a dit que cette personne-là ne souhaitait pas recevoir, être informée de l'utilisation de ces données pour la raison suivante. J'aurais peur de perdre confiance en mon médicament si j'apprenais qu'on faisait un projet de recherche avec mon médicament. Donc, je prends metformine pour le diabète, vous m'informez que vous faites une étude qui regarde le lien entre la prise de metformine puis les maladies cardiovasculaires, quelque chose qui est bien connu, mais bon, mettons qu'on faisait ça, cette personne-là pourrait s'inquiéter qu'elle ne prend pas le bon médicament. Alors, ça m'avait étonnée parce que j'étais tellement dans l'idée qu'il fallait informer, mais ce n'est pas tout le monde qui veut nécessairement être informé. Ça, on l'a entendu de une ou deux personnes. Merci, Monsieur Pelletier, aussi de votre commentaire. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions à ce moment-là. L'autre élément, c'est comme tel tout à l'heure, vient juste de soulever, c'est la question de maintenir un lien. Les gens vont avoir l'information, vont pouvoir reviser leur consentement de façon périodique, et ainsi de suite. Mais avez-vous l'impression que les gens vont développer une confiance dans le style qu'il y aura une cellule de communication dans cette organisation-là? De ce reste, les gens vont appeler, le téléphoner pour s'informer, peut-être hors secteur, mais quelqu'un qui veut leur répondre. Faut pas que ce soit un chercheur, c'est pas une bonne idée, là. Mais pourquoi à cela, là? Parce que c'est je pense que c'est très important, effectivement. Alors, je vous laisse finir. En fait, ce que je voulais vous dire, avez-vous prévu une cellule de communication qui va permettre de recevoir les questions, les inquiétudes, pas en tout temps, mais sur une période de 5 jours semaine, il me semble, là, pour pouvoir répondre aux inquiétudes des participants à ces recherches-là? Oui, vous avez raison, parce que la pire chose, ce serait de pas fermer la boucle. Donc, quelqu'un a une préoccupation et il trouve aucune façon d'avoir la réponse en temps opportun. Ça pourrait mener rapidement à une perte de confiance. Je pense que ça va être un élément essentiel. C'est encore tôt pour moi de vous dire ça. Mon rôle, c'était, comme je le sens à ce stade-ci, c'était vraiment d'aller recueillir la perception des citoyens. Qui va en découler. Donc, c'est des présentations comme aujourd'hui. J'aimerais bien aussi en faire des articles de recherche pour partager avec la communauté scientifique plus large. Mais surtout, on est en train de rédiger un rapport pour le ministère de la Santé. Et dans les recommandations, on va mettre l'accent sur l'importance, si jamais on procédait à un système comme ça, l'importance de la planification en étapes et ne pas obliger le service après-vente aussi, ça va être un élément super important à développer. Mais je ne peux pas, en date d'aujourd'hui, vous donner la réponse. C'est vraiment recueillir le point de vue des citoyens qu'on a fait jusqu'à présent. Le rapport sera finalisé dans les prochaines semaines. Et effectivement, il y aura un aspect qui va toucher à ce que vous avez dit. Moi, je n'ai pas d'autres. Je veux juste vous dire que je fais partie des enthousiasmes. Merci. Et j'espère que ça va voir le jour dans un futur rapproché. Merci. Merci, M. Pelletier. Merci beaucoup, M. Pelletier. On a d'autres questions là, qui nous viennent des participants. Donc, on a Louise Ringuette qui demande si les participants avaient eu de l'information sur la situation actuelle, par exemple, les autorisations des DSP ou de la Commission d'accès à l'information, et est-ce qu'ils connaissaient ces façons de faire comme de prime abord ou est-ce que c'est vous qui les avez informés là-dessus?
C'est nous qui les a... Donc, oui, on les a informés, mais je pense que la grande majorité des citoyens, peut-être connaissent plus la CAI, mais certainement ne connaissent pas l'autorisation du DSP qui est faite pour l'accès à un dossier médical pour une recherche rétrospective lorsqu'on n'est pas capable d'avoir le consentement du citoyen, ce qui est la majorité de la recherche. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était connu des participants. Et nous, oui, nous leur avons expliqué ça. Nous avons expliqué aussi les enjeux par rapport à l'accès aux données de façon rapide et globale. Je ne sais pas si ça répond à la question de Mme Ringuette. Je crois que oui. On a aussi une autre question donc, qui nous vient de Véronique Gélina, donc qui pose, qui vous dit premièrement, super projet. Et puis, qui pose la question s'il y avait un portail qui entrait en fonction. Comment est-ce que vous voyez que les chercheurs pourraient, par exemple, avoir accès à des listes de patients qui correspondent aux critères de recherche et comment est-ce qu'ils pourraient avoir accès, par exemple, dans leur dossier, dans leur est-ce qu'il y aurait un numéro de dossier? Comment est-ce que vous voyez que ça fonctionnerait basé sur ce que vous avez entendu là, dans les groupes de discussion? Donc, je vous répondrai pas tellement parce que en ce que j'ai entendu dans les groupes de discussion, mais ce que je connais de la plateforme apprenante, et c'est vraiment mon collègue Jean-François Etier qui est la meilleure personne pour répondre, je vais faire de mon mieux. La façon que ça fonctionnerait, cette plateforme-là, c'est qu'elle agit comme courtier entre pour faire circuler les données. Donc, je vous explique. Donc, on ne crée pas un nouveau dépôt de données ou quoi que ce soit. On crée un outil qui est capable d'aller de communiquer avec les bases de données où sont les données, où se résident actuellement les données de façon sécurisée pour que, dans une condition très spécifique, les données circulent et se retrouvent à l'intérieur d'un endroit sécurisé. Alors, je vous explique. Les données restent vraiment là où elles sont déjà, mais lorsque la plateforme apprenante, un chercheur demande fait une requête, démontre qu'il a un projet qui est approuvé par un comité d'éthique et démontre au gestionnaire de la plateforme qu'il a donc la permission, toutes les permissions nécessaires pour avoir accès à ces données, alors à ce moment-là, une requête est lancée et on est capable de lui dire « Vous allez avoir tant de données pour répondre à votre question. Elles vont venir de Granby, de Montérégie, de ci, de ça. » Donc, mais il n'y a aucune donnée qui ne circule tant que les approbations requises n'ont pas été fournies. Et peut-être qu'il y a même un service de conseil avant qui dit, ben, en fait, vous êtes mieux de chercher avec ce genre de données pour avoir la réponse à la question. Donc, les données circulent lorsqu'on est certain qu'on est capable de donner une réponse scientifique et éthique à la question du chercheur. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Merci. Une question là, qui vient peut-être un peu en lien, qui nous vient de Daniel Varin et qui demande qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer en attendant un portail éventuel? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la situation actuelle pour améliorer le processus d'approbation étant donné la faible acceptabilité de l'autorisation, par exemple, de la DSP ou des autres processus? Là, vous nous avez montré des résultats de faible acceptabilité de certains des processus qui sont actuellement en place. Qu'est-ce que vous suggéreriez en attendant un portail là, pour pouvoir demander le consentement aux citoyens? Ben, je pense que la situation actuelle d'accès aux données au Québec est problématique déjà, pas pour les raisons qui viennent d'être nommées, c'est-à-dire la faible acceptabilité. Elle est problématique parce que les données sont distribuées et que les personnes qui contrôlent l'accès ne donnent pas nécessairement un accès très rapide. Donc, quand le Québec se compare aux autres provinces, nous avons, et ça ne vient pas de moi, ça vient du scientifique en chef, Rémi Quirion et de d'autres, il y a un problème d'accès aux données auquel maintenant on peut rajouter le fait que la majorité des citoyens ne sont pas au fait qu'il y a un problème d'accès aux données, ne seraient probablement pas ravis de savoir qu'il y avait un problème d'accès aux données et aimeraient effectivement participer à la solution en donnant le consentement. Donc, je pense que le ministère va accueillir le rapport qu'on a alors proposé avec intérêt parce qu'il a été saisi par le scientifique en chef avec la question qu'il y avait un problème d'accès aux données. Maintenant, il va t'informer que les citoyens ne sont pas tout à fait en accord. Le groupe, évidemment, on n'a pas sondé tous les citoyens, mais le groupe qui a participé à nos groupes de discussion, les citoyens qui ont participé, n'étaient pas fortement en accord avec l'idée
de que ce soit une autorité hospitalière, par exemple, qui donne l'accès. Mais je pense que je ne voudrais pas, je voudrais qu'on améliore les choses, mais je ne voudrais pas qu'on les détériore. Donc, je pense qu'il faut maintenir les accès qu'on a actuels, bien qu'ils soient imparfaits, avant de trouver une meilleure solution. Merci, merci beaucoup. Une question qui nous vient de Paula, qui demande, est-ce que vous avez interrogé des Autochtones dans vos groupes de discussion et est-ce que les réponses étaient différentes et si oui, de quelle façon? Donc, on n'a pas posé la question à savoir si, par exemple, à Rimouski, il y avait un participant qui était de Premières Nations, mais on n'a pas, dans ce projet-ci, fait une démarche auprès des communautés des Premières Nations. Et c'était quelque chose qui va venir dans le rapport. Donc, pour moi, il est clair qu'il serait inacceptable de ne pas penser à toutes nos communautés, incluant les communautés autochtones. Je ne peux pas vous démontrer avec les données sociodémographiques que j'ai recueillies s'il y avait des participants, mais je pense que c'est déjà dans notre rapport. Une des recommandations, c'est que dans les phases ultérieures, donc là, c'est vraiment une première étape d'avoir des données. Il va falloir aussi inclure un processus possiblement distinct ou parallèle, ou en tout cas, à réfléchir pour recueillir le point de vue de nos communautés autochtones. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport au rôle du patient partenaire que vous voyez dans l'élaboration de ce processus-là de consentement et de vulgarisation peut-être des processus. Est-ce que vous entrevoyez qu'il y aurait, par exemple, un groupe de patients qui seraient des consultants pour développer les processus? Comment vous entrevoyez l'implication, le futur des citoyens avec lesquels vous avez discuté? Alors, minimalement, j'ai appris beaucoup de comment bien profiter de cette expertise-là. J'ai encore à apprendre, mais pour moi, c'est clair que pour la suite des choses, minimalement, on aimerait avoir l'apport au niveau consultatif. Je pense que même idéalement, il y aurait des pans que je serais ravie de déléguer ou d'avoir vraiment une co-construction pour, par exemple, les capsules. On avait des capsules vidéo. Est-ce qu'elles peuvent être bonifiées? Est-ce qu'elles répondent aux besoins? Ça serait quelque chose avec laquelle j'aimerais beaucoup collaborer de façon complètement égalitaire avec des citoyens. Même chose pour tout ce qui est ce seraient mes experts pour tout ce qui est de comment on fait, comment on informe, quelles sont les meilleures solutions. C'est clair pour moi qu'il y a un rôle très important pour nos patients partenaires futurs, voire même des pans complets qu'on pourrait déléguer avec grand plaisir. Je voudrais prendre une minute juste pour vous remercier vraiment de votre présentation et de votre projet. C'était super intéressant. Il y a encore des questions là, qui continuent de rentrer, donc on voit vraiment un réel intérêt là, des participants. Pour les gens pour qui on n'a pas réussi à répondre aux questions aujourd'hui, là, je vous invite à communiquer avec Annabelle et Roxane si vous avez des questions, si vous voulez des éclaircissements sur certains trucs. Juste vous rappeler que le webinaire était enregistré et sera disponible en ligne avec les diapositives. Donc, si vous voulez partager à des collègues ou vous voulez réécouter certaines parties, ça va être disponible. Vous allez pouvoir le trouver sur le site web du Réseau 1. Juste vous informer que notre prochain webinaire va avoir lieu le 31 janvier, donc dans 2 semaines déjà, et ça va porter sur l'accès recherche, qui est vraiment une innovation là, du Réseau 1 et de l'unité soutien. Donc, ça va être très intéressant. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à devenir membre du Réseau 1 pour vous tenir au courant des webinaires à venir. C'est gratuit, c'est assez rapide là, à devenir membre et vous allez recevoir à ce moment-là l'infolette avec tous les webinaires à venir. Si vous avez des idées ou des questions pour un futur webinaire, n'hésitez pas à nous écrire. On est toujours ouvert à entendre vos besoins, vos idées. Si vous voulez venir présenter quelque chose, écrivez-nous. Et puis, je vous demanderai juste de prendre quelques minutes. Vous allez recevoir aujourd'hui, un lien pour évaluer le webinaire, donc un petit sondage là, pour nous dire ce que vous en avez pensé, vos commentaires, vos réactions. Donc, je vous demanderai de prendre quelques minutes, c'est vraiment pas long, pour nous dire ce que vous pensez. Donc, sur ce, merci encore M. Pelletier d'avoir participé aujourd'hui. Roxane, Annabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite à tous et à toutes un bon fin de vendredi. Merci beaucoup. Au revoir.